Par contre, j'ai un truc à te demander, Gigi. Oui. Non, enfin, tu vas paraître. Tu vas trouver la question un peu bizarre, mais généralement, quand on se pense, c'est avec une corde, une ficelle, je sais pas moi, un truc comme ça, non? Ta question est quand même très sombre, hein. Ouais, je sais, mais je demande quand même parce que ça me paraît si. Voilà Écoute, quoi. je suis pas la professionnelle de la pente des gens, mais Non, je mais je crois que me quand tu doute. te pends, bah tu prends une corde et puis un tabouret, et puis t'y vas, quoi, et puis c'est marre, hein. Bien ce qui me semblait, c'est pour ça qu'il y a eu un gros boom, c'est parce que ouais, d'accord. Bah De quoi? quand j'ai regardé, bah ah, elle a bien utilisé le tabouret, hein, mais bon, en guise de corde, bah, elle a utilisé un espèce d'élastique, donc du coup, je suppose qu'elle a fait le yo-yo et elle a tapé sa tête au plafond, c'est pour ça qu'il y a eu le boom, quoi. Oh là 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 là! Y a du monde! Y a personne? Y a... Ah si, y a sa voiture, elle doit être là. T'es là? Béatrice? Ouais! Ah, Comment Gigi! tu Ça vas, ma va, Béatrice? Gigi? Un petit bisou! Ah ouais! Oh, ça change, hein, dis donc, ça te va bien la blouse comme ça, j'ai pas l'habitude de te voir avec un marteau, t'as vu, moi aussi j'ai fait comme Ah ça. bah ouais, je vois ça. Apparemment, ils... C'est bon? Ils Ah t'ont bah fait un écoute! petit peu le... Ah, ils m'ont fait Le un petit topo? topo. Bah, vite Ouais. fait, si tu veux, hein. J'ai rencontré un grand monsieur, il m'a fait un topo vite fait. Il m'a dit, de toute Ouais. façon, vous allez voir, avec Béatrice, elle sait, elle gère. Donc, pour une fois, bah écoute, c'est Ah pas moi bah la attends. doyenne, c'est toi, hein. Donc, Ah du coup, je sais pas trop ce qu'on va ouais. faire aujourd'hui, il faut que tu m'expliques. Ah On bah va je vais faire de la t'expliquer. démolition. C'est ça, on va... Alors tu vois tout le bâtiment là, là, qu'il y a là? Oh, je fais bien ça entre nous parce que tu m'as demandé, ça nous fait des sous en plus, hein, que le Ah bah ménage, hein, oui, parce que ah bah, ça franchement. change et puis ça te permet de se défouler un petit peu, hein, je vais te C'est dire. vrai, t'as raison. Ah Oh là bah là, de toutes ces histoires, t'as raison. ouais. Allez, vas-y, explique-moi un petit Alors je peu. t'explique un Ouh, petit c'est peu le grand. truc, hein, tu vois. Ah t'as vu, c'est coquet. Mais par contre, Sympa. les... alors il va falloir démolir Casino. tout le Ouh. bâtiment, tu vois. Tout le Oh. bâtiment, va falloir démolir tout ça. Va falloir Voilà. tout enlever. Ouais. Bon. Oh. Oh, Bon dis bah. donc, elle là là. On peut pas récupérer du trois trucs. Ouais, Sympa. écoute, faudra demander Oh. à... On verra. Faudra demander Donc, bon. à Robert, ouais. Je pense qu'il sera d'accord qu'on récupère 2-3 trucs. Hein. Des petits Oh, tabourets, ça tu vois, peut ils être. sont sympathiques. Hein. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ouais. Bon, Mmh. alors, Bon, du alors, coup. écoute, va falloir démolir tout ça. Et d'ailleurs, Robert, il t'a filé... tu sais, vu que t'as... Je lui en ai parlé comme quoi que t'étais quelqu'un de fiable, assez manuel et tout Ouais, ça. ouais. Il m'a dit, bon, une paire de mains de plus, hein, il n'est pas contre. Il t'a filé ton petit permis là, tu sais, parce qu'on va devoir manœuvrer des véhicules aussi, Oui, hein. il m'a filé ça, sauf que. Écoute, il m'a donné mon permis, il m'a fait un petit clin d'œil. Il est au Ouais. courant que j'ai pas le permis. Ah, j'ai pas le CACES, j'ai que dalle. Bah, en fait, je vais te C'est dire très un bien truc, qu'à c'est la que base. j'ai un peu mon titre concernant ton cas. Je lui ai dit que tu avais déjà un petit peu travaillé dans ce truc-là. Oh, Mais calme-toi un petit peu. bah ouais, mais t'inquiète pas, hein, c'est comme le vélo ou la trotte, hein, tu vois, c'est vite fait, hein, ça se prend vite fait. Hein. Je Ah prends... ouais, bon, bah écoute. Ouais, je te montrerai. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Les... Ah, c'est la benne! C'est On va ça, tout et mettre dans la benne! là-dedans, là, ce que tu vois dans la benne, va falloir mettre les petites chaises, là, les tabourets. Ah ouais? Et Ouais. voir! Comme Parce... ça? Oh bah ça Ouais, j'ai voilà. l'habitude, hein! Ah bah Tu me ça, diras, allez attends, hop! on a l'habitude, hein, Ah avec... de Oh ça change, dis donc! Ça... Et puis entre filles, c'est rigolo quand même! C'est Bah sympa! attends. Parce que d'habitude, bon, il y en a plein d'autres avec nous quand on fait le Ouais, ménage, mais ouais, bon, ouais. ils sont crevés quoi! Donc Ouais, c'est ça, ouais. je parle d'une ambiance! Oh, puis là, vu que c'est comment dire, des petites missions, il n'y en a pas beaucoup à l'année, hein, il y en a de temps en temps, et puis Bah on est écoute, une moi je petite m'y connais pas dizaine. du tout, hein. Je te mens pas, je m'y connais pas. Ah bah moi, Et vraiment, c'est toi qui m'apprends. ça fait depuis, oula, longtemps que j'irai pas longtemps que je fais ça, mais Ah, on j'ai va la dire que je roule quatrième. ma, on va dire que je roule Ouais? ma bosse là-dedans, hein, Ah tu ouais? vois. Ouais. Bah tu sais. Ah bah dis donc, toi t'as. Bah et c'est quoi? C'est que t'as appris ça où? Parce que si c'est pas trop indiscret, parce que moi je connais pas trop, tu vois. Bah, Attends, parce que là c'est. je regarde sur le papier là qu'ils nous ont filé. Bah Ouais. ils demandent d'enlever des fils électriques. Ouais, alors Les les fils petits fils électriques, ça se électriques, trouve. va falloir C'est les ces merdes trouver. là. Ah Va bah! falloir les Ah trouver. bah Ah c'est bah. ça hein. Ah bah, tu vois, C'est ça. t'as trouvé le bon truc, tu Oh bah vois. dis donc! C'est à côté des machines à sous en fait. Ouais. Hop Oh ça là. rigole pas hein. Et le petit dernier, il est où? Oh ça défoule, t'as raison, mais je pense que quand on Tu va vois? péter les trucs, ça va. Ça va être Ça va mieux, tu vas défouler voir. sa Ah race, comme on bah, dit. comme on dit, ouais. Comme disait l'autre. Alors. Alors, comme je te disais, j'ai appris ça de mon papa, hein. Ah ouais? Parce Ouais, que ton c'est. papa il est dans le métier? Ouais, il était dans le métier, il était dans le bâtiment, ouais. Ouais, il Voilà. était. Ah, il travaille plus là-dedans. Tu On va fais dire. quoi là? Il faut Bah, casser les trucs? Ah oui, faut casser là, Gigi, hein. Oh, Tu peux sérieux? y aller, tu peux y aller, Oh! vas-y. Oh, dis donc! Mon truc, Vas-y. ah, ça défoule! Oh, Ah, t'as donc vu ouais, ça? raconte-moi tout, vas-y!
Donc comme je te disais... Alors, ton père, donc il travaille plus là-dedans. Essaie de taper dans le bas du mur, ça descendra tout seul d'un coup, tu vas voir, ça va faire comme un Mikado. Donc, tu t'y connais, toi, hein. Ah bah, attends. Oh là là, oh merci. Oh, fais gaffe, je vais te péter un coup, hein. Tiens tout ça de papa, et comme je te disais, ouais, il était là-dedans et... Il travaille plus là-dedans. C'est un peu compliqué, on va dire. Il a eu un accident, le papa. Oh, oh non, c'est pas possible. Ah, bah, qui s'est passé? Bah, comme je te disais, il m'envoyait des fois avec lui en mission. C'était du reste de ça que j'ai appris avec lui. Et... Ouais, ouais. À un moment donné, vu qu'il était pas très très présent, puisque lui, il enchaînait les missions. Hein, attends. Ouais. C'était l'employé, on va dire, de l'année. Hein. Sans, ah lui ouais, jeter, vraiment, sans vraiment lui jeter de fleurs, hein, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, bah, on a reçu un coup de fil, il devait rentrer pour Noël, pour fêter les fêtes de fin d'année avec moi, ouais, et, ouais, et maman, du coup. Et du coup, bah, le papa, il était le patron Robert, là, comme je te disais, là, il nous a appelé et il nous a dit oui, bah, il y a du coup votre mari, puisque c'était ma mère qui tenait le téléphone à ce moment-là. Ouais, ouais. Votre mari, bah, il y a eu un accident. Oh, et c'est du pas coup, possible. Bah, moi j'étais à côté, elle avait mis le haut-parleur, forcément j'entendais tout. Et un accident, comment ça? Bah, votre mari était en train de rénover une église et il a glissé sous une tuile et un accident. Et du coup, bah, à ce moment-là, il y avait un enterrement de commune et bah, il y a eu deux morts au lieu d'un, quoi. Voilà. Non. Il est tombé dans le cercueil. Oui. Oh mon dieu! Il est tombé sur le... C'était sur le clocher de l'église, il est tombé dans le... Ah bah, il était tout en haut de l'église, il rénovait la paroisse, tu vois, qui était dans un piteux état. Il allait pratiquement fini, et puis zip! Il est tombé, et paf, dans le cercueil. Paf! Ah ouais, c'était... Oh là c'était là difficile. Là là, ouais. Ma pauvre! Je ne savais pas, ma pauvre Béatrice! Ah bah... Oh, je suis désolée! Ah je bah, savais c'est... pas! C'est pas grave, hein! C'est coton! Bon... Puisque ma mère travaillait dans les pompes funèbres, hein, ça n'a pas été bien difficile de régler le souci, hein, au niveau du cercueil. Oh là là. Voilà, quoi. Mais c'est après coup que ma mère, bah, elle a arrêté de travailler dans les pompes funèbres, quoi. Pas facile. Mon Dieu. Oh, dis donc. Ah ouais, t'as vu, ça c'est notre véhicule de fonction, du coup. Oh, ça... Donc ça va nous permettre de faire des petites missions. Bon, par contre, le... Et il avait prévu le coup, en fait, Robert, regarde, il a acheté des locaux pour nous, putain. Là. Putain. Hey. Oh, c'est vrai, j'ai pas le permis, hein! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oh! Oh! Putain, hey, Gigi! La pédale du milieu! Oh là là! Oh bah, je sors de là-dedans, hein! Oh putain, bah, je sors de là-dedans, on va le garer, le machin, hein! Bon, j'ai foutu le pied sur la pédale, c'est parti à l'autre bout! Bon, alors, attends. Je te laisse faire, hein! C'est trop dangereux, ces conneries, faut arrêter au bout d'un moment. Ah, c'est sur la gauche, pense, là, je hein. vois. Ouais, ouais. Ah oui, là, il y a une station. Et apparemment, essence, à gauche. Bien. Ah, on les voit à gauche, regarde! Il y a plein de bulldozers! Il y a plein de tout appareil. Là, à gauche. Ah, regarde. Oui, ouais, il y a tout plein de camions et oula, tout. Oula. Oh là là. Ouais, ça change de nos balais. Hein. On va se faire plaisir. Oh, bah, je te le dis, on va se faire plaisir. Bon, alors. Oh, bah, c'est où là du voir. Coup alors, c'est où? Alors. Là. C'est ça? Ça peut être ça, je sais pas. Ça ressemble à quoi, un bulldozer? Bulldozer. Ça, je pense que c'est ça. C'est ça, là. C'est ça, là, il me semble. Bulldozer. Par ouais, contre, j'aimerais c'est bien... Bon, y a... C'est bon, y a merde, pour il, acheter m'envoie un SMS, là. Ah, bon. Oh, non. Non, il me demande de passer un examen. Ah, bah, il veut te tester, hein, écoute. Hein, Bah, c'était pas prévu, ça, tu m'avais pas dit. Ah, bah, écoute, hein, il veut te tester. C'est comme moi, au début, il m'a pas prévenu, et paf, il m'a fait tester un... Il m'a fait un examen. Putain, ça me demande la licence. Ah, oh, bah bravo, Gigi! Bah hein. Oui, bah excuse-moi, hein! Oh là là, ah, c'est là, c'est bon, c'est là! T'as trouvé? Là. Ouais, c'est bon! Ah! Alors! Oula! Ah oui, donc oula. Là il faut que tu rentres dans le. Oula! Oula! Oh dans putain! Le bulldozer! Oula! Alors attends, c'est écrit quoi sur le papier? Démolir? Aplanir là-bas, les tas de déchets? Là-bas, ah. Tout ça là-bas, tu oh, vois! Oh bah putain, tout heureusement ça que c'était. Oula. Vas-y! Oula! Alors attention! Hein. Ah ouais, donc ça tu tournes! Tu tournes, tu vois, c'est okay. Pas bien compliqué. Hein. Ça pivote, ça recule, ça avance. Oula. Hein. J'appuie pas sur le bon truc là. Ah là, oh là. Attends, oula. Voilà, oh, vas-y, fais-toi plaisir, tu peux écraser ça, vas-y. Oh, bah en fait, je tourne où je veux. Oh. Voilà.
comment on pète cette merde? Tu recules un petit peu là et tu... Voilà. Là, tu passes par là, tu détruis ça là. Oh, vas-y, fais-toi plaisir là. Oh, pah! Oh là voilà. Ah, c'est pas mal hein, c'est bien foutu hein. Bah t'as vu, je t'ai dit, c'est comme le vélo ou la trotte, c'est pas plus compliqué. Ah ouais, c'est vrai que bon, après faut juste faire attention parce qu'avec une trotte, je me rétame la gueule, ça va, avec ça, c'est pas pareil hein. Alors, le médecin. Le truc, vu qu'on a le Robert là, il a décidé d'entreprendre son petite entreprise, du coup va falloir faire un petit peu de pécule. Ouais, donc, bah ouais, tu m'étonnes. Il y a des contrats à droite à gauche comme ça, tu vois, hein. Ouais. Normalement, t'as un panneau comme ça, là, tu vois, démolition, là, tu... Ouais, tout à fait, ouais. T'acceptes le contrat, et puis ça te donnera des petites pépettes, tu oh vois. Donc là, tu vois, ça, bah, va falloir démolir, enlever les fils électriques, et normalement, il m'a dit qu'il y avait quoi, des petits radiateurs qui seront à mettre dans le conteneur juste là, là, à l'extérieur. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est parti, hein. Donc, hop, les petits radiateurs. Ouh, ces putains de radiateurs, ah là. Oh, voilà, ça pèse une tonne, hein. Ah bah, attends. Il a été sympa, il nous a donné une loupiote en plus de ça, vu qu'il fait nuit, il est centré à ça. Ah ouais, elle est où la loupiote? À l'extérieur, c'est le petit spot, là, histoire qu'on voit. Ah ouais, c'est genre, oui, ça me rappelle un petit peu le boulot, ça. Ah, tu vois? Attends, hop, le radiateur, là-dedans, paf. Ça, je suis encore choqué, ma Béatrice, de ce que tu m'as raconté. Hein. De quoi? Bah, ton histoire, hein, ça allait comme... Par rapport à c'est mon quand papa même... Bah oui. Ah ouais. Mais Tom, comment... c'était quand, ça? C'était il y a longtemps? C'était quand j'étais encore adolescente. Hein. Oh là là. Ouais, et puis, je t'ai pas raconté le reste non plus. Hein, mais bon. De quoi? Ah non, me dis pas que ça a continué. Un an après les événements, c'est ma mère qui, vu qu'elle a été dépressive, elle a sombré dans l'alcool. Et puis, du coup, c'est pas possible. Je vais te raconter, hein, du coup, hein. Écoute. Oh là 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 là. J'étais ado, du coup, je sais plus quel âge j'avais 14 ans, 15 ans. Ouais. Du coup, voilà quoi, et. Il était très très tard, et du coup, j'étais. En train de dormir. Et j'avais une envie d'aller aux toilettes. Ouais. Oui, oui. Et du coup, en me levant, j'entends un gros boum. Il faut péter les chiottes, du coup. J'entends un gros boum, du coup. Et du coup, je me demande qu'est-ce que c'est et tout. Et je vais voir dans le salon. Et là, je vois, ma mère, elle s'était. Elle s'était pendue. Oh! C'est pas possible! Ah, la pauvre, elle a. Dis-moi pas que c'est pas vrai! Elle a sombré dans l'alcool et elle en pouvait plus, quoi. Du coup, voilà. Par contre, j'ai un truc à te demander, Gigi. Oui. Non, enfin, tu vas trouver la question un peu bizarre, mais généralement, quand on se pense, c'est avec une corde, une ficelle, je sais pas moi, un truc comme ça, non? Ta question est quand même très sombre, hein. Ouais, je sais, mais je demande quand même parce que ça me paraît. Voilà, je suis pas la professionnelle de la pendaison, mais. Non, mais je crois je que me quand doute. Tu te pends, tu prends une corde et puis un tabouret, et puis t'y vas, quoi, et puis c'est marre, hein. Bien ce qui me semblait, c'est pour ça qu'il y a eu un gros boom, c'est parce que. Ouais, d'accord. Quand j'ai regardé, elle a bien utilisé le tabouret, hein, mais bon, en guise de corde, elle a utilisé un espèce d'élastique, donc du coup, je suppose qu'elle a fait le yo-yo et elle a tapé sa tête au plafond, c'est pour ça qu'il y a eu le boom, quoi. Oh. Là, ouais. C'est horrible. Au moins, je suppose qu'elle a pas dû trop souffert, vu qu'elle s'est... Je pense qu'elle a dû s'assommer avant, quoi. Voilà, elle s'est explosé la tête au plafond. Moi, je préfère me dire ça plutôt que de penser qu'elle a souffert à se pendre, quoi. Enfin, bon, horrible. Voilà. Ouais. Ah, j'en suis pas bien, j'en suis retourné, je te le dis. Ah écoute, c'est... Oh là là, il t'est vraiment arrivé des histoires sombres, hein. Ah, c'est pas tout rose non plus, hein. C'est pas Jojo, hein. Voilà. Oh là là, il t'est vraiment arrivé des choses très très sombres, ma petite Béatrice, ça me fait de la peine. Ouais. Ça me fait de la peine pour toi. Ouais. Personne ne mérite ça. Ah non, c'est sûr, personne, non. Tu veux t'asseoir? Tu veux t'asseoir un petit peu? Je pense que j'arrive même plus à sortir. Je m'assois un petit peu là. Assis-toi un petit peu. Assis-toi, je m'occupe du reste. Il doit pas rester grand-chose de toute façon. Oh non, il doit pas rester grand-chose, hein, vu qu'on s'est... T'inquiète, je m'en occupe. Repose-toi. Je suis bien content qu'il y ait...
des petits animaux là, noisettes et puis poutine, hein. Ah, au moins, c'est vrai que poutine et noisette, ils sont là, hein. Ah ouais. Oh, ça va mieux, poutine, toujours moins. Ah bah toujours aussi gros, hein, mais bon. Ah bon bah. Même s'il fait son régime. Ah puis je suis content aussi que tu sois là, hein. Ça fait du bien d'en parler, hein. Ah oui. Bah écoute, je savais pas du tout, hein. Si tu voulais en parler plus tôt, fallait pas hésiter, tu sais, même si je sais que c'est pas quelque chose de facile, hein. Ah bah non, bah écoute. Oh là là là. Mon dieu. J'ai envie de te dire, entre copines, on se dit tout, hein, genre, mais bon. Bah je suis d'accord. Bien sûr que ça fait pas du bien. Bah alors... Enfin, ça fait du bien, mais bon. Repenser à ça, c'est... J'aurais jamais cru, mais jamais, qu'il te sera arrivé quelque chose comme ça, hein. Ah bah écoute, du coup, bah, à l'âge de mes 15 ans, je suis devenu orphelin, quoi, et je me suis fait un petit peu tout seul, on va dire. T'es fait adopter ? Non, j'ai été à la DAS, hein, mais bon, je suis pas resté là-bas, parce que là-bas, c'était tous des cons, donc je me suis vite fait tirer, on va dire, et puis c'est... T'as un collègue du petit Robert qui m'a, on va dire... adopté, si je puis dire, et puis le Robert, du coup, bah, c'est grâce à lui que je suis rentré dans ce métier-là, vu qu'il connaissait mon père. Robert, évidemment. C'est le mec que j'ai vu tout à l'heure qui m'a. Oui, celui qui t'a filé le contrat et tout. Celui qui t'a filé le permis, oui, c'est, il est gentil, lui, c'est un gars bien, lui. Ah ouais? Ouais. Ah bah là, tu peux. Vas-y, là maintenant, vu qu'on a tout enlevé, tu peux te faire plaisir avec le bulldozer. Vas-y, ah ouais, fais-toi plaisir. Oh là là. Ouais, tu peux y aller. Vas-y, j'y vais, hein. Moi, je m'occupe de la poussière, oh, vu qu'ils aiment pas trop oh, ça, putain. La poussière. Oh putain! Oh. Ils aiment pas trop ça, la poussière, donc du coup j'humidifie un peu le. Oh la le vache, t'as raison, vas-y. J'y vais, j'y retourne, attention. Vu que le bois il est un peu. Tu sais, il est plutôt neuf, hein, donc du coup beaucoup de poussière. Oh là là. Vas-y. Oula, ouais, punaise, elle fumigène le truc. Le truc c'est du costaud, hein. Ah bah attends. Vas-y. Ça va me tomber sur la gueule là le truc. Oh putain, on est dans le rouge, hein, je te le dis. Ouais, je vois ça, ouais. Y'a pas mal de poussière. Eh bah... Hey. Oh là là, bah je m'étouffe, moi, avec ces conneries, hein. Oh mon dieu. Livrer. Et s'il faut faire... Pourquoi... Je comprends pas, il nous demande... Attends, j'ai reçu un truc, il nous demande de livrer le... L'OVNI, là, j'ai pas... Bon. Et t'sais ah quoi, bon démolis-moi tout ça, là. On verra après pour l'OVNI, hein. Ok. Vas-y, on verra après. Hop là. C'est un truc de ouf, hein. Tu te rends compte, mais mon métier là-bas c'est de nettoyer quand même, hein. Ah c'est bah pas là... tout péter, hein. Eh, ça change, hein. On va te dire. Oh, dis donc. Eh ben. C'est vachement différent d'habitude. Je sais pas comment il fait pour tenir là le bordel, hein. Et je sais pas en quoi il est fait, mais il tient, hein, le saloupio. Allez. On est pas là pour faire un concours de t-shirt. Oh, là, je te ferai dire. Oh putain. Non, oh, voilà, c'est bon, bah très bien. Voilà. Très bien. C'est très bien, ça se fait tout à fait. Oh le mets pas trop loin non plus, hein. Tu veux que je le ramène? Non, c'est bon, vas-y, laisse-le là, ils se démerderont. Voilà, vas-y. Pète donc tout ça, là. Il manque encore deux petits murs, là, je crois. Ouais, deux petits murs. J'y vais. Et la mur et la poutre, là, et puis après, c'est bon. Je vais essayer de faire ça en one-shot, comme ah dirait là. Ma fille. Ah bah là, tu l'as bien one-shot, voilà. Paf. Nickel. Bon, bah. Impeccable. Eh. Yeah. Eh, on a géré, hein. Allez, tape-moi en 5, là. Attends. T'es où? Là, je suis là. Oh, merde, là. Et là. T'es où? Là. Elle voit plus rien à cause de la poussière. Ah, c'est bon. Vas-y. Ah, j'ai trop de poussière. Allez, tape-moi en 5. Un coup de massue. Putain, t'es où? Ah, vas-y, t'es là. Derrière. T'es où? Ah, dis donc, je vois plus rien, moi, sans c'est ah bah, fou, attends. Hein, la poussière, comme ça, c'est va connerie, passer la un coup de flotte, là, nom de Dieu. Hein. T'as raison, vas-y, arrose-moi un coup, là. Attends. Où? Allez, vas-y. Tiens. Ah, là, c'est mieux. Voilà. Ah, bah là, bon, ça nettoie, tu vois. Bien. Oh là là. Bah, allez, give me five. Tellement sec. Tac. Voilà.